Allez, on y va. Salut, salut! Alors aujourd'hui. Non, ça. Non, aujourd'hui rien du tout. Ah, ma batterie, elle est en train de clignoter. Donc attendez. Pas salut, salut. Attendez. Fire when the stroke hits. Là, je peux refaire salut, salut. Allez. Salut, salut. Alors aujourd'hui, je reviens avec un haul. Alors par contre, c'est un haul, c'est pas un haul pour moi, c'est un haul pour les mamans. Donc c'est un haul pour les mamans parce que je sais que les mamans, vous êtes très très nombreuses à me suivre. Donc il fallait que je vous fasse ce haul pour les garçons. Voilà, c'est pour les garçons. Donc je suis désolée les mamans des petites filles, mais j'ai pas de petites filles. Donc je peux pas vous faire un haul pour les petites filles, donc vu que j'ai qu'un garçon, mais je vous fais un petit haul bon plan, enfin bon plan, oui, quand même bon plan. Et c'est un haul, c'est les habits que j'ai achetés pour Shaïn pour la rentrée. Alors tout n'est pas pour la rentrée, mais c'est vrai que Shaïn a beaucoup grandi, a beaucoup, ben, il a pris des formes quoi, les formes d'un petit adolescent. Donc du coup j'ai été obligée de refaire sa garde-robe pour l'automne. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, où est-ce que je l'ai acheté, et c'est vraiment des produits pas chers, vous allez voir. Donc voilà, les mamans de petits garçons, j'espère que vous allez être contents. Après, les tailles, ben, ça varie, ça va de... Bon, moi, j'ai pris la taille de Shaïn, mais évidemment, il y a les mêmes choses pour plus petits et un peu plus grands. Je crois que ça va jusqu'à 14 ou même 16 ans. Allez, on y go, c'est parti. Donc, alors, tout est retroussé parce qu'il a tout essayé. Alors déjà, on va commencer chez Kiabi, ce que j'ai pris chez Kiabi. Alors par contre, j'ai pas trié. Donc, il va falloir que je trouve ce que j'ai pris chez Kiabi. Donc chez Kiabi, je lui ai pris, en sachant qu'il a fait un pli au pied, je lui ai pris ce pantalon là. Le tissu il est vraiment très à l'aise, il a des bandes tout le long. Voilà, c'est un pantalon effet costard, enfin pas effet, oui effet costard, je sais plus comment on appelle ça, pour les garçons, je sais plus du tout, je ne me souviens plus. Voilà, avec les deux petites poches derrière. Voilà, et celui-ci, je l'ai payé ben, 9 euros. Alors par contre celui-ci, Shaïn normalement il est du 14 ans, mais par contre celui-ci taille très grand. Quoique non. Attendez, si taille grand. Parce que j'avais pris du 10 ans, parce que quand il n'est pas venu avec moi, je suis allée choisir les habits toute seule. J'avais pris du 10 ans, il lui allait, sauf qu'il était un tout petit peu serré, alors que normalement il met du 13-14 ans. Et du coup on est parti lui chercher le 12 ans. Donc si vous y allez sans vos enfants, sachez qu'il taille un petit peu grand. Donc voilà, il a bien aimé avec une paire de baskets, un joli t-shirt, je pensais pas qu'il allait aimer, il a aimé. Ensuite, je lui ai pris un pull basique, alors il y a plusieurs couleurs, hein. Je lui ai pris celui-ci, je lui ai pris blanc, voilà, c'est du 12 ans aussi, et je l'ai payé 7 euros, voilà. Ensuite, je lui ai pris un autre basique. Je n'en ai pris qu'un, mais j'irai lui en rechercher d'autres pour l'hiver. Un col roulé. Voilà. Col roulé, basique, noir. Il y a plusieurs coloris aussi. Moi, j'ai pris noir parce qu'il en a plein. Il a des gris, il a toutes les couleurs. Ben, noir, il n'avait pas. Donc, j'ai pris un noir. Je l'ai payé 4 euros. Ensuite, alors ça, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. La chemise effet. Comment ça s'appelle? Effet de Gélaba, vous savez? Canon quoi, attendez. Canon avec les boutons en haut, en jean. Il y avait cette couleur là, jean, et il y avait couleur jean brut, jean plus foncé. Voilà. Et celle-ci, je l'ai payée. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Je l'ai payée 6 euros. Elle est canon. J'aime trop, et puis celle-là va trop bien. Il est trop beau avec. Ensuite, ça, ben, c'était dans le rayon des soldes. Ben, vous savez, maintenant, c'est la mode. Les t-shirts en forme de pull. Ou alors les pulls en forme de t-shirt. Regardez. C'est un t-shirt, mais il a la matière d'un pull, en fait. Et vous savez, c'est fait comme les pulls à capuche, là. Il y avait plusieurs, il y en avait même qui n'étaient pas en promo. Celui-ci est en promo, à moins 50. Et du coup, de 10 euros, il est passé à 5 euros, du coup. Et il se porte long. Par contre, ça se porte long, ça se porte, vous savez, maintenant les garçons, ils mettent des pulls avec des slims super longs, des t-shirts super longs un peu. Et je trouve ça super beau sur un garçon avec une paire de baskets, super beau. Donc 5 euros. Ensuite, où est-ce que c'est qu'il habille c'est là. Ensuite, je lui ai pris un t-shirt, un pull basique. J'aime quand il met ça.
J'aime bien, il est beau quand tu dis ça. Ça fait tout de suite habillé, ça ressemble un petit peu au pull cachemire. Je n'avais acheté des pulls cachemire à tape à l'œil, mais tape à l'œil, je sais pas si maintenant, à son âge, il peut encore aller s'habiller là-bas. Je ne sais pas du tout. Tissène me dit que non, mais je sais pas. D'habitude, je l'ai habillé là-bas, et ça, il y en a beaucoup là-bas. Mais là, je l'ai trouvé à Kiabi, c'est super beau finalement. Kiabi, c'est super beau. Hein. Je l'habille pas souvent là-bas, parce que c'est l'autre côté de ma ville, en fait, j'ai la flemme. Mais quand j'y suis allée avec Tissène, on a trouvé tout ça, on a trouvé ça super beau. Je l'ai payé 8 €, et il y a plusieurs coloris aussi. Même l'autre, là, il y avait plusieurs coloris, il y avait bordeaux et bleu, je crois, mais bleu n'était pas terrible. Donc là, j'ai pris celui-ci pour changer, j'ai pris une couleur crème. Voilà. Ensuite, je lui ai pris celui-ci aussi, je l'ai trouvé super joli, il y avait plusieurs coloris aussi. Voilà, un autre pull comme ceci. J'ai bien aimé parce qu'en bas, il est pas carré en fait, il est en arrondi. Voilà. Ah, j'ai né les poussières des affaires là, merci quoi. Et en fait, celui-ci par contre, j'ai payé 10 €, ça va pour un pull. Et il y avait aussi plusieurs coloris, il y avait gris et jaune, il y avait celui-ci, et je crois qu'il y avait bleu marine, je suis pas sûre. Mais je crois, bien sûr. Voilà, j'ai trouvé mignon aussi. J'ai trouvé joli. Et pour finir Kiabi, je crois que j'ai fini. Je lui ai pris... J'ai fini Kiabi ? Je me savais qu'elle avait plus. Non, c'est fini Kiabi. Ouais, c'est fini. Et pour finir, j'ai pris encore un autre basique. Moi, nous, on aime bien les basiques en hiver. Voilà, j'ai pris celui-ci. Il y a plusieurs coloris aussi. Et il y avait avec des boutons, mais j'ai pris simple, sans boutons. Je prends un moutarde pour changer. Ah, non, mais pas moutarde. Ouais, entre moutarde et rouille. Pour changer. Et celui-ci, je l'ai payé, il me semble, 3 €. Ouais. 3 €. Voilà. Ça, c'est pour Kiabi. Ensuite, à Decathlon, je lui ai pris ça maintenant parce que l'année dernière, quand j'en ai cherché, ils ont changé. C'était pas exactement les mêmes. Vous savez, les pulls, ça s'appelle thermophile, un truc comme ça. C'est les pulls, en fait, qui. Est-ce que c'est thermophile? Vous savez, c'est les pulls où on ne transpire pas avec. Et c'est vrai qu'avec Decathlon, ils font beaucoup ça. Et Shine, il adore. Et l'intérieur, c'est hyper doux. Et l'année dernière, quand j'avais été en chercher au moment où il faisait froid, ben, il n'y en avait plus. Et là, avec Tissène, comme elle a voulu aller chercher des t-shirts, du coup, ben, j'ai trouvé ça. Ils sont jolis, hein. Bon, après, il y en a qui vont dire, c'est peut-être pyjama, mais en hiver, avec un jean, et déjà, je sais qu'il n'aura pas froid. Donc, c'est mon souci prioritaire. Donc, voilà. Et je crois qu'ils étaient à, je sais plus si c'était 3,99 ou 4,99. Et du coup, il en a pris deux. Il en a pris deux, il a pris du 14 ans. Comme ça, il est sûr que ça va lui aller. Et voilà, du coup, j'en ai pris deux. Il n'y avait que gris. Il me semble qu'il n'y avait que gris. Parce que j'avais surtout peur qu'il n'y en ait plus au moment voulu. Mais il ne mettra pas ça, pas encore, quoi. Ensuite, chez Iman. On est passé et on a juste trouvé un petit truc, on a juste trouvé ce t-shirt là qu'on a trouvé super mignon avec les lions. Non, c'est des tigres. C'est des tigres. Par contre, il était dégoûté parce que ça c'était un petit peu abîmé, mais c'était le dernier à sa taille. Donc, bon, il a pris quand même. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il est. Vous voyez, il est plus long derrière. C'est ce que je vous disais. Petit garçon qui porte les t-shirts longs avec les jeans slim. Il y en a beaucoup hein, en ce moment. Ensuite, ce que j'ai pris, alors ça je l'ai trouvé, je l'ai trouvé à H&M, là pendant les soldes, et je l'ai payé 5 €. Et c'était le dernier, c'était sa taille, donc du coup je l'ai pris. Il est super beau, ça lui va super bien. C'est un jean, comme ça, délavé et troué. Bon, lui il va faire des plis au bout parce que ben, il lui va un petit peu grand. Ah, ça me chatouille. Et ouais. Et j'ai trouvé super beau quoi, pour 5 €, 5 € et des poussières, franchement nickel quoi. C'était la fin des soldes que j'ai trouvé sur Toulouse, et j'étais contente. Ensuite, chez Zara. C'est Zara ou H&M ça? C'est Zara je crois. Ouais, c'est Zara. Chez Zara, il y avait un short, mais je sais pas où il est. J'avais pris un short, mais bon, c'est pas pour la... Ouais, quoi que, je sais pas, ça dépend. Je sais pas où il est, bon, tant pis. J'ai trouvé ce jean blanc. Voilà, un jean blanc basique, slim, avec une paire de baskets, hein, ça sera très joli. Et je l'ai payé 12,99 € à la place de bah, 17,95 €. Voilà, il est joli. Alors, par contre, Shine ne met jamais de jean. Là, cette année, il passe en 6e, il se prépare, il va s'habiller
comme un beau gosse, il a dit. Il a dit qu'il allait s'habiller comme un beau gosse parce qu'il en a marre. Mais il était tout le temps en jogging. Ça, je lui ai dit, écoute, Shane, les gens au collège, ils sont plus, c'est plus comme à l'école. Hein. Ils sont pas... ils font attention à leur look, quoi. Les garçons, maintenant, dans notre génération, ils font super attention à leur look. Donc, il m'a dit, je vais faire un effort, maman, je mets des jeans. Donc, on en profite parce que moi, j'adore les petits garçons en jeans. Je trouve ça super beau. Toujours jogging, 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 ça va 5 minutes. Hein. Donc, après, bon, allez, j'ai voulu lui acheter un jogging quand même, faut pas exagérer. Et à Decathlon, ben, en fait, si vous avez suivi dans mes snaps, ceux qui n'ont pas snap, qui suivent pas mes aventures sur snap, c'est pas bien. Je vous mets mon snap ici. Mais ceux qui ont snap, ben franchement, vous avez suivi l'aventure de Shaïn le jour de son anniversaire où je lui avais acheté des cadeaux qu'il a pas aimé du tout. Il a fait la gueule, il a pleuré dans snap. Et du coup, à la base, j'avais acheté un pantalon de foot Nike. Il a pas aimé, de toute façon il y allait pas, ça y allait pas parce que en fait les pantalons de foot Nike, vous savez les pantalons serrés là au pied, c'est spécial, c'est très spécial, il faut quand même être musclé des mollets, musclé des jambes pour le mettre et tout ça, sinon ça fait vite ficelle quoi. Et du coup il a pas aimé, il avait pleuré tout ça et finalement j'ai dit écoute tu vas choisir deux autres cadeaux à la place. Donc on est allé ramener tout ça, et à la place du jeu, j'avais pris un jeu, j'avais pris puissance 4 parce que je me suis dit un habit et un jeu pour qu'ils soient contents. Finalement, il a pris deux autres habits, je vais vous présenter. Et à la place du jogging Nike, ben, du coup, il a essayé celui-ci à Decathlon. C'est un Puma. Il est pas mal, hein, il est super joli. Hein. Bon, quand même, je trouve un petit peu cher. Pour la marque Puma, je le trouve un petit peu cher. Je l'ai payé 30 euros. Mais allez, je me suis dit, hein, c'est un jogging qui va quand même durer. La qualité, elle est quand même bien et tout ça. Et il lui allait très très bien. Par contre, celui-là, il lui allait très très bien. Parce que Shaïn, lui, il est très très mince. Très maigre même, des jambes. Mais il a un cul... comme sa mère, il a un gros cul. Enfin, un gros cul. Il a le cul vachement bombé. C'est très joli. C'est très joli sur les garçons. Un cul bombé. Donc, c'est très difficile de l'habiller à Shaïn. Parce que souvent, ça ne lui va pas au niveau des fesses. Mais celui-ci, il lui va super bien. Donc, j'étais contente. Et à la place, ben, ça, c'est à la place du jeu. Hein, puissance 4, ben, il a pris ça à la place. Mais bon, c'est pas grave, c'est son anniversaire. Et à la place du pantalon Nike, ben finalement, on a trouvé, on est retourné, ben on est allé ramener le pantalon à Store 2000. Et on a trouvé cette petite veste Nike. Voilà, il aime bien Nike, Shane. Il aime bien les vestes comme ça, il adore ça. Donc on a pris la petite veste Nike. Il a choisi celle-ci. En plus, il a trouvé au rayon promotion, donc c'est encore mieux. Et à la place de 54,99, ben on l'a eu à moins 40. Je crois que je l'ai payé, ben, moins 40. Je ne vais pas faire le calcul là. Mais j'ai dû la payer 28 euros. Ouais, 28 euros, je crois, il me semble, un truc comme ça. Donc voilà, il a pris ça à la place. Petite veste. Basique, hein. Nike, tout simple. Voilà. Donc là, c'était les vêtements de Shaïn. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous aimez les vidéos comme ça aussi pour vos enfants, dites-le moi. Je pourrais vous présenter les habits de Shaïn souvent. Comment il s'habille et tout ça, ça peut vous donner des idées aux mamans parce que voilà, comme je vous le disais au début de la vidéo, vous êtes nombreuses à me suivre les mamans. Et puis voilà, si ça vous plaît, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos à chaque fois que j'achète des habits à Shaïn. Parce que quand j'achète, c'est par période et j'achète en gros quoi. J'achète en gros, comme ça je suis tranquille et je vide son armoire, je trie et je le refais quoi. Voilà, c'est logique, c'est ça, les enfants ils grandissent, on n'a pas le choix. Non, voilà, mais j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps parce que je fais que parler. Là, j'ai la gorge, elle sèche. Je sens que j'ai beaucoup parlé parce que j'ai plus de salive dans la bouche. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À toi, Tassin. Ah, j'ai cru que c'était à moi, ça, papa. Bon, on est d'accord. Fire when the strobe hits you.